Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hightech, j'espère que vous allez tous bien. La version iOS 15.2 bêta 1 vient tout juste de sortir quelques jours après la version officielle iOS 15.1 et on va essayer de voir les petites nouveautés qui sont apparues dans cette version iOS 15.2 bêta 1. Alors normalement cette version finale devrait arriver avant la fin de l'année. On verra donc quand Apple décidera de sortir cette version iOS 15.2. Alors surtout si cela n'est pas encore fait, n'hésitez pas donc à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications lorsque Vision Hightech sort une vidéo. Bienvenue sur Vision Hightech. Et on découvre tout de suite les nouveautés iOS 15.2 bêta 1, c'est parti. Alors, on va retrouver dans cette nouvelle version iOS 15.2 bêta 1 des petites nouveautés sympathiques qui vont pouvoir vous aider au cas où si vous avez besoin d'urgence. Et pour ceci, on va donc se rendre dans Réglages et Appel d'urgence, c'est parti. Appel d'urgence. Vous entrez dans Appel d'urgence. 5, 4, 3, 2, 1. Voilà donc. En appuyant et en gardant enfoncé un des deux boutons volume plus le bouton marche arrêt, on lançait donc un appel d'urgence. Ceci pouvait être fastidieux pour des personnes en situation de handicap des membres supérieurs, car l'appui devait être fait en même temps et gardé enfoncé plus de quelques secondes. Apple a encore pensé au monde des personnes en situation de handicap et a changé cette possibilité en faisant donc un appui rapide 5 fois sur le bouton marche arrêt. Pour ceci, vous vous dirigez donc sur l'application Appel d'urgence et vous descendez. Appel avec 5 appuis. Désactivé. Si vous appuyez rapidement 5 fois sur le bouton latéral, un compte à rebours se lance et une alerte est émise. À l'issue du compte à rebours, l'iPhone appelle les secours. Voilà donc, un appui rapide sur le bouton marche arrêt 5 fois d'affilée lancera donc votre appel d'urgence. Personnellement, je trouve cette fonctionnalité avec le bouton 5 fois rapidement plutôt plus efficace pour les personnes en situation de handicap des membres supérieurs, car c'est bien plus pratique d'appuyer 5 fois rapidement sur le bouton marche arrêt que sur les deux boutons en même temps. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette nouvelle fonction iOS 15.2 bêta 1, ça m'intéresse vraiment. Alors, on va l'activer. Désactiver. Activer. Alors, autre fonctionnalité, on pourra aussi désactiver le son de l'alerte. Si on descend un peu plus bas. Configurer les contacts dans santé. Bouton. Alors vous savez qu'on peut configurer aussi certains contacts par rapport à cet appel d'urgence et vous allez pouvoir par exemple dédier plusieurs personnes, plusieurs contacts, votre mari, vos enfants ou toute autre personne pour les avertir que vous êtes en situation d'urgence. Voilà comment ça va se passer. Son de compte à rebours, activé. Vous aurez donc une possibilité de désactiver ou d'activer le son de compte à rebours. Ceci fait partie des toutes nouvelles actions à partir d'iOS 15.2 bêta 1. Alors, on va tout de suite tester la fonction avec un appui 5 fois rapidement sur le bouton marche arrêt. Appel des services d'urgence dans 10 secondes. Touchez 2 fois avec 2 doigts ou faites un zigzag. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Alors, on va éviter 112. D'appeler le 112. Comme vous êtes aperçu, en fait, l'appel d'urgence s'est bien effectué en appuyant 5 fois rapidement sur le bouton marche arrêt. Et je trouve cette nouvelle fonction ultra cool pour les personnes ayant des problèmes, des membres supérieurs. Vraiment, dites-moi ce que vous en pensez en section commentaire. Alors, pour cette deuxième fonction iOS 15.2 bêta 1, on va se diriger toujours dans Réglages. Attention, cette version iOS 15.2 bêta 1 fait partie des bêta développeurs. Donc, c'est normal que vous n'avez pas cette version actuellement dans Réglages général et mise à jour de votre iPhone, puisque c'est l'une des premières bêta développeurs qui vient de sortir. Vous pouvez donc installer le profil. Dites-moi en commentaire si vous désirez voir une petite vidéo comment installer le profil iOS 15.2 pour les prochaines bêta. Je me ferai un plaisir de vous faire une vidéo. Et pour cette deuxième fonction, on va se diriger toujours dans Réglages et Confidentialité. Apple force sur la confidentialité. On se dirige tout de suite sur Confidentialité. Confidentialité. Alors, une fois que vous êtes entré dans Confidentialité, vous vous dirigez tout en bas. Vous vous dirigez vraiment tout en bas. Ça se passe vraiment tout en bas de cette fenêtre. Et vous avez un nouveau bouton qui vient de faire son apparition. Rapport de confidentialité des apps. Rapport de confidentialité des apps. Vous rentrez à l'intérieur. Le rapport de confidentialité des apps indique la fréquence à laquelle les apps utilisent la permission que vous leur avez accordée pour accéder à vos données. Notamment en ce qui concerne votre position ou votre microphone.
Il inclut également le bilan de l'activité réseau de chaque API site web, ainsi que des domaines les plus fréquemment contactés. Activez le rapport de confidentialité des apps. Bouton. On va l'activer. Les informations du rapport apparaîtront ici à mesure que vous utiliserez des apps. Le rapport de confidentialité des apps enregistre l'accès aux données et aux capteurs, l'activité réseau des apps et des sites web ainsi que les domaines les plus fréquemment contactés. En savoir plus. C'est à cet endroit que vous allez savoir en temps et en heure quelle application a utilisé votre micro, votre caméra. Si vous avez par exemple des AirTags ou des appareils qui se connectent pour vous localiser, vous allez avoir en temps réel à quel moment, à quelle heure ont tenté par exemple de prendre votre localisation, votre micro, votre caméra de votre iPhone. Et ça, c'est vraiment un des gros points d'Apple. Apple se concentre vraiment à vous protéger. Et ça, c'est plutôt un bon point. Alors, est-ce que vous-même, vous avez installé la version iOS 15.2 bêta 1? Avez-vous trouvé des bugs? Dites-moi ça en commentaire, ça m'intéresse vraiment. Pour l'instant, j'ai trouvé quelques bugs où VoiceOver parle en anglais pour certaines applications. Ça, c'est une des premières bêtas, donc c'est normal. Attention, lorsque vous installez les versions bêta sur votre iPhone principal, car les bêtas sont des versions quand même buggées, surbuggées parfois. Et si c'est votre appareil que vous utilisez au quotidien, ça pourrait être très ennuyeux pour vous. Mais malgré tout, dites-moi en commentaire si vous aimez, si vous avez envie de voir la vidéo pour comment installer le profil iOS 15 bêta 2 et pour les futurs bêta. Merci d'avoir pris un peu de temps sur la chaîne Vision High Tech et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo accessible à tous bien sûr. Salut à tous.